à Alors, toi. mes top 2. Drunk. Drunk. Ouais, j'ai toujours Bien pas vu, sûr. putain. Sacha, je suis Attends, étonné ouais. un peu que tu l'aies même pas cité Ben, moi, en mention honorable quand même. moi, il y est pas encore. Hein. Ah, Ah! lourd! Ah, lourd, bah, du coup, Enfin, c'est on peut en forcément. parler après. Ben, Bah, c'est à toi maintenant, en quoi. plus. C'est à toi. Ouais. Ah, ben, lourd! Mais non, J'étais c'est là, attends, mais vous en êtes merde! où là? On en Mais est au top 1, top 2 là! là, donc c'est ton Mais top 2. top 2, mais Ouais, c'est comme c'est moi ça. qui suis en fin de file, ça débouche sur toi et c'est toi qui commence. Ben moi c'est Drunk du coup. Mais putain, lourd! J'étais là, mais Alors là qui tu l'as pareil, mis? c'est J'étais là, merde! pas pareil, vous pouvez trouver ça bizarre, ouais, Drunk, c'est un très bon film, hein, mais pour moi Non, c'est c'est un des incroyable. films qui m'a vraiment marqué dans cette année, que j'ai trouvé juste bourré d'énergie. Ouais. Où je suis sorti vraiment avec où j'étais juste épaté, plein d'énergie, et on retrouve vraiment cette patte Vinterberg où il Ouais, en tout carrément. explosé, il en fait un film puissant. Et pour moi, c'est vraiment le film de cette année qui se distingue. Parce qu'il arrive à allier c'est même pas de la comédie, on peut même pas dire une comédie, c'est juste une sorte de force de vie, juste bluffante. Ce film, c'est un peu la force tranquille, quoi. C'est vraiment, C'est ça. c'est fou. C'est fou. C'est juste impressionnant. Enfin, il en fait son propre alcool, en fait. C'est C'est sa ça. propre. Comme s'il avait fait bourrer, il en fait quelque chose de juste exceptionnel, où tu as envie de sauter partout, quoi. C'est juste un Ouais, film où et tu puis sors. à l'image de l'acteur principal, Mads Mikkelsen, toujours aussi fascinant. C'est ça. On n'arrête Et pas de le dire que puis. c'est un bête acteur, et franchement, il porte aussi le C'est. film, quoi. Enfin, franchement, C'est c'est. ça. Et puis Tous même ces si le film a des différents rôles, moments de tous ces mood, des différents rôles, moments. ils les incarnent toujours superbement bien. Ouais, et Non, puis même si c'est un le. monstre. C'est un monstre. Même C'est un si le monstre film a des sacré. moments où il est plus lent, si le film a des petites lenteurs, juste avec sa scène finale, et bien, il nous calme, quoi. Là 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 là. Le moment où tu te crois où ça va se calmer, où tu te dis bon, ok, ça. Et là, boum, il te renvoie dans une sorte de folie où en fait, il donne. Pour Il a, remettre en il a, contexte, ouais. c'est des profs, quoi, tout simplement, une bande C'est de ça. potes profs qui a du mal à. Ils ont du mal, en fait, à faire vivre leurs cours. Comment dire, ils n'ont plus forcément d'énergie, ils sont tous un petit C'est peu calés ça. dans leur train de vie quotidien et ils ont Ils ont tous plus de aussi leur vie de famille. Ils passion, n'ont plus voilà, forcément de c'est passion. Tu ça. sais, c'est vraiment, c'est la routine. C'est la routine, c'est maussade, c'est C'est ça. plat. Et là, Ce qui touche un peu vraiment, tout le monde, ouais, hein, c'est le philo, enfin, le prof de philo, je crois, qui dit oui, il y a un mec. ouais. Qui a expérimentalisé, qui a théorisé en quoi l'alcool aurait un bienfait, je veux dire, mais à une dose Ah, suffisante. ouais, c'est ça. Tu vois, il y a quand même, tu vois, tu sais, cette limite qu'ils vont essayer après d'augmenter pour voir jusqu'où ils peuvent aller, mais ils vont devoir vraiment, tu vois, se jauger, se tester. Ils C'est vont arriver ça, en et cours avec des grains d'alcool dans le sang et en fait, ça va c'est faire revivre fabuleux, et c'est ça va amener fabuleux. du peps et de l'énergie dans leur vie. Et c'est dingue, et ça, enfin, c'est un sujet tellement. Tellement Et aussi, puis c'est je sais ça, pas, et ça nous touche tous, hein, ce côté et où. le moment où on croit que Vinterberg met une morale et va moraliser son film, Ouais, mais en et fait, pas du non, tout. il réexplose tout et on finit sur Pas cette du tout. scène juste fabuleuse où on fait mais wow! Et on sort du À un film, on a moment, le t'as des sourire. images d'archives, tu sais, avec Oui. les présidents, des hommes politiques, et t'as l'impression Qui boivent. qu'ils sont tous Ouais. drogués, enfin, qu'ils ont bu, tu vois, vraiment. Et ben, il parle C'est de Churchill génial. aussi. Churchill, le mec, il se buvait je sais pas Mais combien de whisky par qui jour, c'est n'importe buvait quoi. par Et le jour. mec, il dirigeait la Grande-Bretagne, enfin, genre, c'est lui qui était à la tête du pays pour la guerre mondiale, quoi. Enfin, genre, voilà, tu vois, tu te dis, c'est assez fabuleux, enfin, genre, ce truc où Sinon, dans les on célébrités. redistribue les cartes, vraiment, tu vois, on dit, mais attendez, les gars, Sinon, dans les ces mecs-là, ben, célébrités ils étaient comme ça aussi, hein. qui ont trop bu, pour venir dans le classement, t'as Manque, qui a écrit un super scénario, mais en buvant. Non, mais c'est vrai, mais. L'artiste, il est nourri aussi par des choses qui diffèrent et la drogue, elle en fait partie. On est obligé de le dire. L'alcool et la drogue, Ouais. c'est des trucs, c'est qui amène à la créativité aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Le ce film, fait du coup, juste de reste boire et de se léger. désinhiber, tu vois ce que je veux dire? Le fait, c'est de te sentir un peu plus léger, tu vois. Et ces mecs-là, c'est tout à fait ce qui se passe, tu vois, au quotidien dans leur vie. C'est le fait de pouvoir maintenant avoir les moyens psychologiques. En fait, tu te mets plus de barrières, ce côté sans filtre et qui en fait t'aide et te pousse. Après, voilà, bien sûr, le film, il a ses limites dans le sens où tu vas voir que les mecs, au final, bon, la dose, il va falloir un peu la changer, même l'arrêter, peut-être. Et voilà, mais c'est ça qui est formidable, c'est cette bande de potes, le jeu des acteurs, toute cette puissance tranquille, au final, qui s'écoule. Et vraiment, Mads Mikkelsen, voilà, je sais pas, ce mec, c'est un extraterrestre, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, La voilà scène pourquoi il est la scène top finale, ouais. 1. Ouais.
Ouais, c'est vraiment le film que j'aurais Il faut que pas. tu le rattrapes, c'est, je pense, Ouais, c'est putain. Dans ceux que sacré j'ai film. pas vu, que vous avez cité, c'était vraiment celui que je savais, hein, c'était vraiment Mais celui. il va refaire une sortie en salle, je pense, non? Ah ouais, il va revenir quand même? Parce Bah, que là, j'espère. il a eu son temps, non, quand même. Non, 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 je crois Bah, pas. pas énormément, hein, parce que tu sais, on se l'était réparti, c'était je sais plus qui avait fait la critique, puis moi Ouais, j'en moi. avais fait une autre cette semaine. Et cette semaine-là, et genre, honnêtement, je sais pas, j'ai pas eu. Enfin, Et j'ai puis, eu. de toute façon, UGC va faire comme cette année, ils ont fait, vu qu'il y avait moins de films, ils vont sortir leur meilleur film de l'année 2020. Oui, c'est vrai, ils refont toujours même Donc, ça. Genre, voilà. y a un top et ils te les mettent. Et... Encore faut-il que les salariés ouvrent. Oui, c'est toujours le Mais même problème. oui, mais oui. Ouais. On va y arriver. On va y arriver.